Il n'y a aucun problème que Dieu ne peut résoudre. Or, Dieu règle les choses par l'art de l'appréciation du petit. Est-ce qu'on est ensemble? Pour les gens qui sont compliqués à l'église, j'ai fait un culte, je l'ai expliqué, j'ai dit, les jeunes là, ils ont leurs cheveux comme ça, mais vous les laissez tranquilles. Vous les laissez tranquilles. Alléluia. Amen. Voilà. Si on ne les rejette pas, s'ils sont encadrés, ils vont servir la cause du royaume. Si on les rejette, qu'ils n'ont plus de repères, qu'ils n'ont plus de père, que dans l'église ils sont rejetés, c'est normal qu'ils vont aller se jeter dans les bras de Satan. Mais s'ils ils sentent que l'église les honore et qu'ils sont en train de servir Dieu et qu'ils n'ont pas honte, bien sûr qu'ils vont se déployer. Bien sûr qu'ils vont se déployer. Amen. Il n'y a aucun problème que Dieu ne peut résoudre. Or, Dieu règle les choses par l'art de l'appréciation du petit. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Donc, je demande mon directeur informatique, je dis, mais qu'est-ce qu'on fait? Je dis, il y a combien de jeunes? Il faut savoir que notre département de jeunes, hein, la dernière fois on a vu ce qu'on appelle les Bloom. Bloom. Notre département l'appelle Bloom, floraison, Bloom. Donc Bloom, c'est pourquoi vous avez le chantre KS Bloom, en fait, parce qu'il vient de la jeunesse. Donc il a pris le nom Bloom. Vous avez le nom Bloom Trappers. C'est parce que c'est le nom de la jeunesse, en fait. OK? Donc, notre jeunesse, dans la crise, ils faisaient les cultes des jeunes, on devait être peut-être à 300, 400. Au sorti de la crise, les jeunes, quand ils font leur rassemblement, on peut être à près de 2000. Amen. J'ai observé, j'ai vu qu'il y avait une opportunité d'offrir de la data aux enfants. Donc, j'ai mis un budget pour acheter des... Et j'ai dit aux jeunes, partagez, les enfants aiment ça. Avec, et puis on a trouvé, on est parti discuter avec les équipes de téléphonie pour lui dire, bon, si les gens viennent sur telle page, que ça ne soit pas payant, qu'ils ne payent pas de data. Et donc, ils étaient contents. Donc, on a fait une com à l'église. Amen. Pour expliquer aux jeunes que si vous partez sur tel portail, vous pourrez suivre le culte sans dépenser une data. Et puis, nous, on payait un forfait. Quand tu arrives sur le portail, tu vas trouver, je disais par exemple, c'était MTN qui nous avait donné ça. Tu vas trouver MTN, mais ce n'est pas grave. On fait leur publicité, mais nous, nos jeunes. Ils pouvaient suivre. Donc, leur culte, alléluia. Parce que j'ai simplement appelé opportunité. Dieu m'a montré l'opportunité. Si tu appelles ça problème, ça sera un problème. Tu regardes, nous, ce dont tu dis, cette situation va glorifier le Seigneur. Même quand tu as mal fait, même quand tu as fait des erreurs, dis, ça va glorifier le Seigneur. Et tu vas voir le petit qui va faire la différence. Alléluia. Et avec ça, on a touché beaucoup de jeunes qui étaient attirés parce qu'ils pouvaient venir à l'église pour avoir de la data, pour aller sur le culte. Il y en a d'autres qui ont pris ça pour s'amuser, c'est pas grave. Mais on a gagné un certain nombre de jeunes. Amen. On gagne les âmes. Organiser une croisade, ça coûte beaucoup de millions. Donc les data, on peut investir pour gagner des jeunes. Amen. Donc l'église s'est multipliée avec la jeunesse en situation de crise. Il y avait des programmes de jeunes à tout moment parce qu'ils étaient constamment en ligne. Donc nous on dit on va envahir leur téléphone. On va envahir le téléphone. Amen. Est-ce que vous savez que plus de 60% de la population mondiale, plus de 60% a un téléphone? Si vous voulez évangéliser aujourd'hui, vous êtes obligé de voir que c'est une opportunité pour pouvoir... Aujourd'hui, on ne peut plus faire de porte à porte, taper à la porte des gens. Je vais te parler de Jésus. OK. Mais vous pouvez entrer dans leur téléphone. Il faut entrer dans les téléphones. Amen. Gloire à Dieu. Et maintenant, pour les personnes âgées, donc comment on allait faire? Elles n'ont pas besoin de data. Elles ne savent même pas aller sur Internet, les mamans. Donc, je dis, il faut qu'on maximise... Bon, vous avez les chiffres, hein. Mondialement, on a près de 7,83 milliards donc, d'habitants. Et donc, population mondiale, utilisateurs du téléphone, 5,22 milliards, 66,6% de la population. Utilisateurs d'Internet, 4,66 milliards. Donc, imaginez qu'on peut évangéliser plus de la moitié de la terre. Si on rentre, si on maîtrise Internet. Alléluia. Gloire à Dieu. Utilisateurs des médias sociaux, 4,20 milliards. Amen. Gloire à Dieu. Bon, j'ai sorti tous ces stats-là. Et il faut savoir que la plupart des personnes, quand ils vont en ligne, ils utilisent, la jeune, quand ils vont en ligne, c'est pour aller écouter de la musique.
j'écoute plus de la musique et regarde des films. Ok? D'où on a commencé à encourager les jeunes à chanter, à produire des chansons. À... Donc, du coup, vous avez, par exemple, notre jeune KS Bloom qui a fait, il a sorti un chant. En moins de quelques mois, plus de 11 millions de vues. Amen. Alléluia. Les Bloom Trappers, les éléments, donc il faut les encourager. Pour les gens qui sont compliqués à l'église, j'ai fait un culte, je l'ai expliqué, j'ai dit, les jeunes là, ils ont leurs cheveux comme ça, mais vous les laissez tranquilles. Vous les laissez tranquilles. Alléluia. Amen. Voilà. Si on ne les rejette pas, s'ils sont encadrés, ils vont servir la cause du royaume. Si on les rejette, qu'ils n'ont plus de repères, qu'ils n'ont plus de père, que dans l'église, ils sont rejetés, c'est normal qu'ils vont aller se jeter dans les bras de Satan. Mais s'ils ont, ils sentent que l'église les honore et qu'ils sont en train de servir Dieu et qu'ils n'ont pas honte, bien sûr qu'ils vont se déployer. Bien sûr que c'est ça. Amen. Bon. Là même, je suis déjà rentré dans l'autre point. Mais bref, en fait, ce qu'on a fait pour le contentement, c'est qu'avec les 50 personnes, on a ouvert des petites cellules partout. J'ai demandé à mes gars, j'ai dit, allez chercher dans toute la ville. Trouvez-moi des salles pour prendre 50 personnes. Je veux juste 50. Et on en a ouvert, je ne sais plus, une trentaine, une quarantaine, une cinquantaine dans la commune de Cocody. Et donc, ça gagne de nouvelles âmes parce que les gens, il y en a qui voulaient être en présentiel. Et les gens sont venus, sont assis, ils avaient les écrans et ils suivaient le culte. Lorsqu'on a commencé à pouvoir se regrouper, on avait de nouvelles âmes. Amen. On avait de nouvelles âmes. Alléluia. Parce que quand on m'a dit 50, j'ai compris que c'était une opportunité d'être à côté de quelqu'un. Et puis, parce que Dieu me dit, mais pourquoi tu veux que tout le monde vienne dans ton bâtiment? Je dis, ah, pourquoi tout le monde va venir dans le bâtiment? Il dit, mais moi je vous ai dit, allez vers le monde. Je n'ai pas dit, faites venir le monde vers vous. Allez gagner les âmes, allez vers. Donc va vers les gens. Je dis, ah bon? Il dit, oui, c'est comme ça que tu les gagnes et puis après ils viennent. Donc mets des cellules juste à côté de leur maison. Et donc on a trouvé les gens. Et il y en a qui ont tellement grandi qu'on les a fait basculer l'église. Ouais. Du coup, alléluia. Gloire à Dieu. Donc la crise du vide zéro. Nous, on la regarde en disant, waouh, quelle grâce. Amen. Par la grâce de Dieu, dans cette crise-là, on a pu ouvrir, en tout cas, en termes d'assemblée, pas des choses qui sont devenues des églises, mais on a dû ouvrir plus de 100 petits groupes, beaucoup plus. Beaucoup plus. Maintenant, en termes d'assemblée, en une année et demie, on en a ouvert près de 100. Près de 100. Amen. En une année. Alléluia. Viens avec moi, opportunité. Voilà, le serpent saisit chaque opportunité. Il voit les choses comme étant des opportunités et non pas comme étant des problèmes. Et c'est là la sagesse du contentement. Est-ce qu'on est ensemble? Voilà, on va aller rapidement sur les autres points. Le point d'après, point numéro 6. Une des sagesses du serpent, c'est la mue. Vous savez c'est quoi la mue? Le serpent perd sa vieille peau. Et il part avec une nouvelle peau. C'est une des sagesses du serpent. Quand Jésus nous dit d'être sage comme le serpent, il est important pour nous de comprendre pourquoi tous les serpents muent. Scientifiquement, on sait qu'ils muent simplement parce qu'ils grandissent au départ. Et comme la peau du serpent n'est pas extensible, donc il enlève la vieille peau pour pouvoir avoir une peau plus adaptée à sa nouvelle taille. Un peu comme s'il changeait d'habit. Mais les serpents muent aussi pour rajeunir. Amen. Bon, quand on voit ces images, ce n'est pas trop intéressant, mais bon. Oh, voilà, le serpent mûr. Hein? Moi-même, quand je mettais les images, je dis, oh Dieu, vraiment. J'ai envie d'écraser la tête du serpent. Mais Jésus a dit, soyez sages comme lui. Donc, d'avec moi, le serpent mû.